chers compatriotes, Banamboka, Isabine, la voix de Kivu, la voix de Sans Voix. Et le 14 janvier, qui est déjà Kokabola, mois de janvier, Otobandaki, 2023. Mes chers compatriotes, mes chers frères, message à l'élue, message à Koyakoeveba Congolais, Nyos, classe politique congolaise, société civile, Namoutou Nyos, Oyo vraiment, Oyo Ayebike, à se sentir Kaki, à Lingi Congo. Oyo Alingi ma politicité. Mais où est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a des gens qui fanatisent, qui vont soutenir la politique parce qu'il est de son tribu, de sa tribu plutôt, il est de sa province, il est de son territoire, parce qu'il est, il est de Mokwantombolo. Mais à ce moment-là, qui est nombreux, qui sont en danger, il y a ces gens-là. Et vous trouverez ces gens, ils sont vraiment experts. Nako finga bato, nako loba, nako salanini. Mais il y a ce moment-là, danger en Mokwantombolo, à ce moment-là, qui a intérêt en déconner. Tandis que azo mwana ndereti kino, ndekonanga koti si mboka na mabi. Mes chers compatriotes, eza vraiment mawapo, na kati ya renya Félix Tshisekedi, balkanisation et salami déjà. Na lobi bien, na kati ya renya Félix Tshisekedi, balkanisation et salami déjà. Donc, c'est comme un gidan, il a trahi la République. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, partout là où vous êtes, un sénateur américain, John Bozeman, a outi qu'au tweeté que au stade actuel, ça sera un revoir l'armée congolaise récupère les zones actuelles occupées par les M23. Que l'ONU commence déjà à réfléchir sur les statuts à donner à ces zones afin de permettre aux populations victimes de prendre leur vie. Monsieur John Bozeman, we don't need your help. Mr. John Bozeman, as Congolese people, we don't need your help. We just need our unity, Congolese unity, country unity. Mes chers compatriotes, makambo nyonso oyo ebandi na tango Félix Tshisekedi akendaki ye na Cameroun signé kuna East Africa Community po armée ya East Africa Community eya awa. Lelo ekomi sango na mawa epai ya bakongole. Le même jour, Uhuru Kenyatta oyo batiaki ke le médiateur de l'East Africa Community vis-à-vis ya conflit oyo na Congo akutani na ba autorité ya ba agresseur M23 na kati ya mboka ya Mombasa. Mombasa zalaka ville zalaka pembeni ya mai. J'ai déjà été à Mombasa. Eza au sud de la République du Kenya. Mes chers compatriotes, mboka ikeyi, tika fanatiki ndeko na yo. Tika fanatim, votre frère, le soi-disant votre frère, a outi kote kamboka, a te kimboka déjà. Félix Tshisekedi, ennemi de la République. Ennemi de la République. Je le proclame à haute voix. Mes chers compatriotes, va tweet à Boyeza ya ko néglige. Et ceux qui ont négligé, donc vous n'êtes pas un analyste politique, tu n'aimes pas le Congo, le Congo est déjà en danger. Je peux lancer aussi ce message à la communauté internationale. L'Union africaine, aux États-Unis, la France, la Belgique et l'Angleterre. Nous n'avons pas besoin d'un statut quelconque dans notre pays. J'appelle aussi nos compatriotes, les autodéfenses, de se mettre debout comme un seul homme pour défendre la patrie. Parce que pour le moment, le pays est en danger, mes chers compatriotes. J'appelle les gens de la société civile, partout, qui sont au pays comme ceux qui sont à l'étranger, d'organiser les manifestations pour dire non au tweet de M. John Bozeman. Nous devons organiser des manifestations, mes chers compatriotes. La société civile, Tolamouka, réveillons-nous. Vraiment, c'est une chose que nous ne pouvons pas fermer les yeux. Le pays est en danger pour le moment. Nous allons vers la balkanisation totale et pire. Voilà là où les Américains veulent nous amener à la balkanisation. Et vous, qui chantez jour et nuit pour applaudir devant Félix Tshisekedi, le gidant de la République, que Mokwantombolo a la diplomatie, des diplomaties, en gros, qui n'ont pas besoin. Aux Congolais, des pères de mère, oui. Des diplomaties, qui n'ont pas besoin, en gros. Des pères de mère, aidez en gros.
À partir d'aujourd'hui, nous disons non au tweet de Monsieur John Boozman. We don't need this. This rubbish things, we don't need it. Vraiment, mes chers compatriotes, ils ont qui appelle l'urgence ou tu as qui coussa la pona koeveba congolais. Tout la mouka. Tout boya à Twitter Oyo, il y a John Boozman. John Boozman, Oyo a outu kolobake, au stade actuel, ça serait un rêve de voir nos forces armées de la République du Congo récupérer les zones actuelles occupées par les terroristes agresseurs M23. Que l'ONU commence déjà à réfléchir sur les statuts à donner à ces zones afin de permettre à cette population victime de prendre leur vie, de reprendre leur vie. Mes chers frères, mes chers compatriotes, réveillez-nous comme un seul homme. Disons tous non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Notre numéro de téléphone, c'est +43 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est lavoixdekivu45@gmail.com. Merci.